Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui El Kahk d'Oran. Kahk, c'est une brioche sous forme de couronne parfumée à l'anis, au grain de sésame et aux agrumes. Sans plus tarder, passons à sa préparation. Salam alaikum, j'espère que vous comprenez. Faites la vidéo, je vais vous dire comment le kahk tawaran. Tabou maïa, tariqa tahdir. Je commence par préparer le levain avec une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de farine et une cuillère à café de sucre. Je mélange avec un petit peu d'eau tiède et je réserve dans un endroit chaud. نوجد الخميرة مع مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز ومغرف صغيرة سكر مغرف صغيرة فرينة ونخلط بشوية ما دافي. Je ne vais utiliser que 500 g de farine tamisée. Si vous mettez 1 kilo, doublez les mesures. غادي ندير 500 غرام تاع فرينه مغربله لا درتو كيلو ضعفوا المقادير Donc, je tamise la farine sur laquelle j'ajoute une demi-cuillère à café de sel, 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 2 œufs entiers, 125 ml d'huile neutre et le levain. Je bats l'ensemble à peu près 5 minutes et je reviens à tout de suite. واحد فانيليا واحد خمارة الحلويات كما نقولوا الفرفارة زوج حبات بيض 125 مليليتر زيت والخميرة اللي طلعت وندرب كل شيء حوالي خمس دقائق ونرجع فيما بعد pâte s'est formée, je lui ajoute à peu près 2 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. J'ajoute également un peu d'eau, juste de quoi la rendre plus souple. Ensuite, je mets une cuillère à café de l'anis et une cuillère à café de l'anis vert. Une cuillère à café de grains de sésame légèrement doré, le zeste d'un citron et le zeste d'une orange. Je mélange quelques instants et ensuite j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre ramolli, ça rendra la pâte encore plus souple et plus savoureuse. العجينة تكونت ضفت لها زوج مغارف كبار ما زهر ونص فنجال ماء الماء نزيدو غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه من بعد ضفت مغرف قهوه نافع مغرف قهوه حبه حلاوه وبسمس مطحون مغرف قهوه جنجلان مقلي مبشور حبه ليم وحبه تشينا ولا برتقاله ونخلط كاع هاد المكونات مع العجينه وفي الأخير ضفت مغرف كبيرة دهان ولا زبدة والعجينة تولي أكثر طراوة وأكثر ذوق Notre pâte à kahk est prête. Je la transvase dans un autre récipient, je la couvre et je la laisse reposer entre 30 et 45 minutes. عجينة الكحك وجدت نديرها في صحن آخر ونغطيها ونخليها ترتاح حوالي نص ساعة حتى ساعة إلى ربع. Là, je prépare la dorure que je vais passer sur le dessus des kahk. Je mélange un jaune d'œuf avec un sachet de sucre vanillé et quelques gouttes de lait. والآن نحضر خليط متكون من صفار بيضاء مع ساشي فانيليا وقطرات من الحليب. Après le temps de pause, je dégaze la pâte et je la divise en plusieurs petites boules de même poids à peu près que je vais bouler, couvrir et laisser reposer encore une trentaine de minutes.
من بعد نعاود نعجن شويه لا بات ونقسمها حبات صغار نفس الوزن تقريبا، نكورهم ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا حوالي نصف ساعه. À présent, je vous laisse avec le façonnage des carques. A plus. والآن خليكم مع طريقة تحضير الكيكات ونرجع لكم فيما بعد. J'ai prévu du sucre perlé, des grains de sésame nature et doré pour mettre sur le dessus des carques. Nzinou le carque, bessoukour le chien ou le jejlène. On couvre et on laisse monter encore entre 10 et 15 minutes, le temps pour nous de faire chauffer le four à 180 degrés. Nrattou le carque, on dirou le four yeskhon à la 180 daraja. Et enfin, on enfourne entre 20 à 25 minutes. On peut aller jusqu'à 30 minutes, ça dépend des fours. On dira le carré qui tib من 20 حتى 25 دقيقه. نجمو نخلوه حتى نص ساعه على حساب الفرن اللي عندكم. Cette vidéo m'a été demandée d'une abonnée. J'espère ma sœur que j'ai pu t'aider et j'espère qu'elle va plaire à vous tous. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir. رانا وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي طلبته مني مشتركة. نتمنى يكون نال إعجابك يا أختي وإعجاب الكل. نخليكم في أمان الله وتهلوا في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.